Scooby. Et c'est toi, Semi? Ah bah moi, je sais quoi faire. Il faut qu'on fiche le camp avant qu'on tombe dans un... Et après toi, Semi. Gardez votre sang-froid. Il est évident que cet individu s'attend à ce qu'on panique et qu'on aille vers la sortie. Le chemin doit être rempli de pièges. Il doit donc y en avoir un sous ce tapis perçant. Mais cependant, la logique veut qu'il y ait un passage sans danger pour qu'il puisse aller et venir à sa guise. Et ce passage doit se situer dans cette direction-là. Derrière le tableau de cet enfant avec une hache et un chapeau? Regardez, il fait un effort. Et donc il sue. C'est l'issue. Aucun doute, la sortie est derrière. Suivez-moi, les amis. Oh, le piège dit de l'échiquier. Je ne l'avais vu que dans les magazines. Fred! Toute ma vie, je me suis préparé à affronter un expert en piège de ce calibre. Préparez-vous, on dirait qu'ils ont l'intention de... De nous enlever. J'en ai marre, c'est maïs, marre. Laissez-moi passer, sale maïs. Je suis crevé. J'ai besoin de cheeseburger. Oui, s'il vous plaît, quelqu'un... Si c'est là que le shérif Bronson Stone doit livrer sa dernière bataille, eh bien soit! Vous ne mourrez pas, monstre de l'espace! Hé, shérif, les ennuis? Sammy? Scooby? Hé, j'ai trouvé un chemin! Vous avez vu? Le professeur Yantz vient d'entrer dans cette maison hantée! Voilà qui est étrange. Venez, suivons-le. Tu es toujours persuadé que c'est lui? Il n'y a qu'un moyen de découvrir la vérité. Ce monstre ne fait pas peur. Même pas peur. Ce clown ne fait pas peur. Même pas peur. Cette sorcière non plus ne fait pas peur, même pour deux poules mouillées comme nous. Bon ben, d'accord, ça fait peur. C'est quoi ce bruit? Vous allez payer votre entêtement. Vous étiez prévenus. Regardez, je crois qu'on peut rayer le professeur de la liste des suspects. Ah oui? Tu es perspicace. Vera, tu prends le volant.
voyons, pourquoi vous vous cachez comme ça? Où est-ce que vous êtes? Je suis désolé, c'est occupé. Y'a personne ici. Je comprends tout à fait, vous inquiétez pas. Quand faut y aller, faut y aller. Pas le plus important. Il faut que je découvre pourquoi mon piège n'a pas fonctionné. Nous voilà enfin seuls tous les deux. Pas de Fred dans le coin, pas de Daphné et pas de Scooby-Doo. Rien que nous. Jimmy! Ah bah Scooby-Doo! Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des croco-monstres! Tu peux répéter? Je pense qu'ils sont partis. Dirigez-vous vers la porte en faisant le moins de bruit possible. Ça alors? C'est du lithium? L'astéroïde exploiterait des mines de lithium? C'est probable. Le lithium est extrêmement toxique, d'où la destruction de l'environnement. Je prends d'autres échantillons et on pourra... Je crois qu'on peut refermer ce dossier maintenant. J'aurais. Et vivement qu'on ait fini d'emballer tout ce bazar pour aller fêter notre victoire. La cabane aux palourdes. Bah ça alors.
Vraiment bizarre. Comment il est revenu là, lui? Oh non, 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 on n'a pas besoin de le savoir. Traînons pas dans le coin. Hein? Vous êtes toujours en danger. L'histoire de Crystal Cove n'est qu'un mensonge. Là, n'essayez pas de sauver la ville. Son but était de la détruire. Vous avez rapporté tout ça de vos aventures? Ouais. Ouais, enfin, sauf ce masque, je l'ai gagné dans une kermesse. La voilà. La tête réduite de Clark Ringo. Vous voulez la toucher? Oh oui, moi j'adorerais. Non, pas comme ça! Vous n'avez pas peur de la malédiction? Non. J'ai laissé ce corps sans tête à plusieurs milliers de kilomètres dans la jungle amazonienne. Je vois pas ce qu'on pourrait craindre. Sur le mur. Et...